Conseiller régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et j'ai l'honneur de servir de modérateur à cette première réunion trimestrielle de suivi de la mise en œuvre de l'initiative Plus fort avec les laits maternels. Bienvenue à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour faire quelques rappels de points, je dirais, logistiques. Vous noterez sur vos écrans que nous avons une interprétation du webinaire en français et en anglais. Vous regardez donc à l'extrême droite en bas de votre écran. Et si vous cliquez sur le globe, vous pourrez sélectionner l'interprétation qui dans la langue qui vous convient le mieux. Nous vous invitons aussi à vous introduire comme certains ont commencé à le faire dans le chat box. Par contre, vous devez utiliser la boîte Q&A pour toutes les questions que vous avez au cours donc du webinaire. Et prière préciser lorsque vous posez une question à qui votre question est adressée. La réunion est aussi enregistrée et nous voudrions nous assurer que nous avons le consentement de tout un chacun de vous, de tous les participants pour cet enregistrement. Et aussi, je voudrais demander s'il y a une objection à cela. Prière le mentionner tout de suite dans le chat box si vous avez une objection à ce qu'on enregistre la réunion. Alors, je voudrais donc rappeler que par peut-être un hasard heureux du calendrier, cette réunion intervient au moment où nous sommes en train de célébrer les 40 ans du code de commercialisation des substituts du lait maternel qui traduit l'engagement de chaque pays à protéger, promouvoir et supporter l'allaitement. Je pense que c'est donc un événement qui arrive à point nommé. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont participé au webinaire global qui a été fait à l'occasion de cette célébration. Et nous voulons vous inviter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous enregistrer pour participer au webinaire régional que nous organisons sur le même sujet demain après-midi. Sur ce, permettez-moi de vous présenter les modérateurs, les personnes qui vont intervenir au cours de ce webinaire. Je me suis introduit moi-même. Comme je l'ai dit, je suis conseiller régional nutrition pour UNICEF à Ouakcharo. Nous avons ma collègue Anne-Sophie Lédin, qui est spécialiste nutrition en charge de la nutrition du jeune enfant à l'UNICEF, au bureau régional. Nous aurons aussi Nathalie Likete, qui est le senior advisor Social and Behavior Change à Live and Thrive. Nous avons Adam Ayo, qui est consultant nutrition à Live and Thrive. Nous avons Mathilde Tingout, qui est un spécialiste nutrition et food safety dans les urgences à l'OMS Afro. Nous avons Aïta Sassissé, qui est Senior Advisor Maternal Infant and Young Child Nutrition à Alive and Thrive. Estelle Bambara, directrice de la nutrition au ministère de la Santé au Burkina Faso. Et Juan Andrea Gil, qui est spécialiste C4D, communication pour le développement à UNICEF, bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre basé à Dakar. Bienvenue à nos chers collègues qui vont donc nous aider aujourd'hui à faciliter, à modérer ce webinaire.
Je voudrais donc ensuite vous présenter très rapidement un aperçu de l'agenda. Après cette introduction que je viens de faire, nous allons avoir une présentation sur la coordination régionale et les mécanismes de suivi au niveau régional pour cette initiative extrêmement importante pour la survie et le développement des enfants. Ensuite, nous aurons une présentation sur les progrès au niveau régional et au niveau national. Cette présentation sera suivie d'un partage de leçons, de bonnes pratiques qui nous vient du Burkina Faso, et nous finirons par une sorte de sondage en ligne qui sera fait au cours donc, de ce webinaire et qui nous permettront donc de récolter vos opinions et donc de conclure par la suite. Encore une fois, bienvenue à vous tous et je passe la parole à Anne-Sophie pour la présentation du mécanisme de coordination et de suivi d'initiatives au niveau régional. Anne-Sophie, à toi. Merci beaucoup, Siméon. Je crois qu'il y a une interférence. Puis-je demander aux participants d'assurer qu'ils ont leur micro fermé lorsqu'ils ne parlent pas? Je pense que c'est bon. Anne-Sophie, au revoir. Merci beaucoup. Éteindre vos micros quand vous ne parlez pas. Merci beaucoup, Siméon, et salutations à l'ensemble des participants et des différents pays qui ont pu se joindre à cet appel aujourd'hui. Donc, comme ça a été dit, j'ai le plaisir de vous présenter une mise à jour sur les mécanismes de coordination et de suivi de l'initiative. Cette présentation est une présentation introductive qui fait suite aux échanges que nous avions eus en décembre pour celles et ceux qui avaient pu participer au webinaire et aussi certains échanges que nous avons eus depuis début 2021 avec l'équipe régionale. Pour ce qui est des mécanismes de coordination et comme nous avions pu en discuter en décembre, nous sommes vraiment très heureux de constater qu'ils sont progressivement mis en place et ceci à tous les niveaux. Nous avons eu l'occasion d'en discuter et on voit qu'il existe maintenant un mécanisme de coordination et de partenariat au niveau régional qui regroupe l'UNICEF, Live and Thrive, donc l'OMS, mais aussi la WHO et d'autres partenaires tels que IPFAN qui est aujourd'hui dans cet appel. Donc, on a vraiment un partenariat qui est en train de s'étendre. Et de même, lorsqu'on vous écoute, chers partenaires au niveau des pays, on comprend aussi qu'au niveau national et parfois même au niveau sous-national, on a vraiment une extension des dynamiques et des partenariats. Donc, tout cet effort nous montre qu'on est vraiment en train de mettre en place un mécanisme de coordination, de coopération sud-sud qui devient de plus en plus solide et de plus en plus riche. Cela dit, lorsque nous avions eu à échanger en décembre 2021, on s'était dit qu'il était nécessaire de s'assurer que ce mécanisme de coordination nous permette véritablement d'atteindre notre objectif, qui est notre objectif commun, à savoir celui d'atteindre les objectifs 2025 relatifs à l'allaitement maternel exclusif, mais aussi, in fine, les objectifs 2030. Slide. On peut donc passer à la prochaine slide. Et à ce titre, il est important de s'assurer qu'on puisse avoir un mécanisme de coordination qui est au service de la mise en œuvre de l'initiative, diapo. Mais donc pour pouvoir le faire, il est nécessaire d'avoir un mécanisme de monitoring et d'évaluation qui soit vraiment bien en place, bien élaboré et qui suive un schéma systématique. Donc, en plus de ces grands objectifs et de ces grandes, disons, timelines que j'ai eu à vous présenter dans la diapo précédente, qui nous emmènent sur ce chemin 2025-2030, on a aussi, comme vous le savez,
un cadre de résultats qui est élaboré dans le cadre de l'initiative avec plusieurs outcomes qui sont présentés ici et une vision qui s'applique spécifiquement à 2021. Donc, notre objectif de 2021 est d'assurer qu'on ait 40% des enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités dans la région, en tout cas au niveau régional. Et le deuxième objectif est de s'assurer qu'on ait jusqu'à 20 pays qui puissent développer des plans budgétisés pour pouvoir mettre en œuvre l'initiative. Donc, on a à la fois ce mécanisme de coordination qui est en place. On a aussi donc, ce cadre de suivi et d'évaluation qui est en place. Et le défi qu'on avait identifié au mois de décembre, c'était de comment vraiment articuler ces deux éléments pour faire en sorte qu'on puisse suivre les résultats. Slide. Et donc, la réponse qu'on est en train d'apporter aujourd'hui et la raison pour laquelle nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est puisque nous avons pu proposer donc, ce mécanisme pour pouvoir suivre les progrès. Et ce mécanisme est en fait ce que vous voyez ici sur la diapo, ce qu'on est en train de vivre maintenant en live, c'est donc d'avoir ou de pouvoir organiser des réunions régulières pour pouvoir traquer les progrès. Et donc, le format qu'on propose, c'est un format virtuel jusqu'à ce qu'on puisse se réunir de façon, disons, physique. Et bien évidemment, on va assurer donc une traduction live en anglais et en français lors de toutes ces réunions, puisque le choix jusqu'à présent est qu'on ait l'ensemble des pays de la région qui soient réunis autour de la table pour pouvoir discuter des progrès et qu'on puisse s'assurer qu'à la fois les pays donc anglophones bénéficient de l'expérience des pays francophones et vice-versa. En termes de fréquence et sur la base aussi de vos retours au niveau des pays, on est en train de partir sur une fréquence trimestrielle avec des réunions donc, qui auront une durée de 1h30 environ. Slide. Alors, pour ce qui est donc du mécanisme en place, et vous l'avez là encore, vous avez pu l'expérimenter en tout cas pendant le mois de mai, l'idée est d'avoir un agenda qui soit, disons, standard et qu'on prépare cet agenda ensemble en amont. Ça veut dire à travers l'envoi de questionnaires au pays, environ un mois en amont, pour que vous ayez bien le temps de répondre aux différentes questions et que vous puissiez nous faire un retour au niveau de l'équipe régionale pour que l'équipe régionale ait bien le temps de pouvoir consolider les résultats, les digérer et pouvoir les présenter lors de cette réunion trimestrielle afin qu'on ait vraiment des échanges qui soient déjà basés sur quelque chose de consolidé. Ces réunions trimestrielles pourront aussi permettre de servir de base au partage d'expériences, que ce soit à travers des équipes pays, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec le Burkina, ou alors avec possiblement aussi des experts et des guests qui pourraient se joindre. Alors, le premier call, le premier appel a lieu aujourd'hui. Et si on suit un calendrier, en tous les cas théorique, comme vous pouvez le voir sur la diapo, nous pourrions avoir ce deuxième appel de suivi des progrès en août et le troisième, possiblement, en novembre. Je te repasse la parole, Siméon, pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour avoir présenté fait cette présentation qui nous détaille le cadre conceptuel de suivi, le programme assez ambitieux qui va nous permettre de faire le suivi de la mise en œuvre au niveau des pays. Je pense que ça, c'est extrêmement important, même si il y a des défis, parce que c'est l'action au niveau des pays qui va nous conduire à atteindre les objectifs tels qu'on les a stipulés dans ta présentation. Donc, je crois que c'est un plan qui nous paraît, me paraît assez réaliste et assez bien élaboré. J'espère qu'on pourra appliquer et suivre ce plan à la lettre pour nous permettre d'évaluer donc, les progrès qui sont faits au niveau des pays et dont la sommation va nous donner les résultats au niveau global. Sans plus tarder, on va donc aller sur la première mise à jour, le premier update sur les avancées qui ont été faites. Et cette présentation va être faite par Adam et Nathalie de Alive and Tribe. À vous la parole.
Thank you very much, Simeon. So I will be presenting in English. Merci beaucoup, Simeon. Je vais faire ma présentation en anglais. Je suis chargée principale pour ce qui concerne le changement social de comportement. Je vais vous donner quelques résultats de 2020, de résultats obtenus et les activités de 2021. Adam fera une présentation sur question.website. Alors, je suis heureuse de voir autant de collègues à ce webinaire. Lorsque vous présentez, choisissez all panelists and attendees, de sorte qu'on puisse savoir exactement qui vous êtes. Bon, pour commencer, dans cette diapo, nous avons les réalisations de 2020, l'année dernière, une année très difficile. Malgré la pandémie à COVID-19, nous avons eu des résultats. Nous avons reçu un appui et nous avons créé un site web sur cette initiative. Nous avons organisé deux webinaires. Nous avons eu un café au mois d'août, suivi en décembre par un webinaire qui mettait en exergue les ressources techniques que nous avions élaborées pour l'initiative dans 8 pays. Et nous avons eu des messages et des ressources pour ce qui concerne l'allaitement exclusif au sein pendant la période de la COVID. Il y a eu 5 articles ont été publiés dans Le Monde Afrique. Et lors de la journée de l'Afrique sur la sécurité alimentaire et la nutrition, il y a eu un webinaire mondial où nous avons présenté l'initiative. À la fin de 2020, 8 pays avaient lancé cette initiative. Voilà ce que l'on a pour 2021. Et une fois de plus, vous voyez que l'on a un bon nombre d'activités prévues au niveau régional, au niveau national, la mise en œuvre de cette initiative. Tout d'abord, comme vous le savez, il y a eu une série d'événements pour marquer le 40e anniversaire. Et un bon nombre de webinaires ont été organisés, mis en œuvre. Il y a eu la mise en œuvre de sites d'apprentissage dans des districts de la mise au sein précoce, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal et Togo. Vous avez certainement dû entendre parler de ce programme mixte, le but étant de former et d'amener à un changement social de comportement. Pour ce qui concerne la nutrition, c'est en cours. Nous avons un plan pour la mise en œuvre en 2021. Des ressources ont été partagées, des catalogues, des revues, des fiches d'information révisées sur l'allaitement au sein. Comme vous le savez, le code générique est disponible sur le site web. Des adaptations ont été faites au Burkina Faso et cela est inclus dans une banque d'images mondiale. Comme l'a dit Anne-Sophie, de nouveaux partenaires ont été mobilisés. L'OAA, les partenaires du groupe régional sur la nutrition. De nouvelles activités ont été prévues en 2021 pour la journée de la nutrition, y compris des articles dans Le Monde Afrique. Et nous continuons à appuyer les pays par le truchement d'initiatives telles que celle-ci.
Je vais passer la parole à Adam qui va poursuivre par parlant du suivi évaluation. Merci beaucoup, Nathalie. Par rapport au site web de l'initiative www.blessmingonly.com, donc depuis son lancement au mois d'août jusqu'au mois de mai 2021, nous notons un total de 3575 sessions pour 2161 utilisateurs, avec des pics observés dans la période d'avril à mai 2021. Le taux de rebond est assez faible, de 13,34%. Le taux de rebond qui est en fait un indicateur qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page web et qui ont quitté le site juste après sans consulter d'autres pages. Donc, ils n'ont vu qu'une seule page du site. En plus du nombre important d'utilisateurs et de sessions, ce faible taux de rebond démontre alors l'intérêt que vous portez à l'initiative et aux différentes informations y afférentes. En outre, le diagramme à droite que vous voyez à droite nous montre que la plupart des utilisateurs, plus de 90%, ont accédé au site en utilisant un moteur de recherche web, que ce soit par Google ou Bing, etc., ou en tapant directement l'adresse du site. Donc, très peu y ont accédé en étant dirigés ou référencés à travers les réseaux sociaux ou au site. Nous disposons également d'un groupe WhatsApp qui comprend actuellement 58 membres, dans un groupe dans lequel nous partageons des notifications de nouveaux posts et des mises à jour des ressources sur le site web. Cependant, le nombre de membres de ce groupe WhatsApp qui sont issus de notre région est assez faible. Donc, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et scanner le QR code que vous voyez sur votre écran en utilisant la caméra WhatsApp pour pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. La jolie bannière que vous apercevez, donc en anglais en haut et en bas en français, est disponible en format JPEG et PDF. Donc, n'hésitez pas aussi à nous indiquer dans le chat si vous souhaitez l'utiliser en signature de vos mails, par exemple, ou dans des présentations PowerPoint. Elle peut être également partagée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je repasse donc la main à Nathalie pour nous présenter les importants acquis dans vos pays respectifs. Merci. Thank you, Adam. Merci, Adam. Nous allons vous faire un résumé des progrès réalisés par les pays. D'abord, un grand merci à tous les programmes nationaux qui ont été appuyés par l'UNICEF et d'autres partenaires et qui ont répondu au questionnaire. Bien sûr, il y a eu beaucoup de questions et de détails, mais le premier cycle de ce questionnaire permettra à chaque programme de s'appuyer sur les premières réponses au questionnaire. Donc, c'est un document vivant, dynamique, qui permet de mesurer les progrès réalisés dans les pays. Alors, cette diapo, nous la connaissons pratiquement tous. C'est un rappel du processus à 5 étapes pour élaborer des interventions en matière de changement social de comportement. Et vous avez donc la boîte à outils à gauche et c'est disponible sur le site web. Ces étapes permettent d'élaborer le questionnaire. Maintenant, cette diapo, nous avons le tableau de bord régional basé sur les résultats obtenus des 22 pays. Et nous avons donc ces pays qui ont répondu pour pouvoir vous montrer tout cela. Nous avons le code couleur et les légendes. Et cela renvoie aux activités, aux étapes
qui ont été achevées en cours, jaunes, qui seront disponibles dans les 3 mois, rouges. Ce sont des étapes, soit qui sont qui ne sont pas encore achevées ou qui ne sont pas encore planifiées, alors que en blanc, nous n'avons obtenu encore aucune information. Rapidement, ce que nous dit ce tableau de bord. Sur 22 pays qui ont répondu, 9 pays ont déjà achevé leur phase de planification. 7 autres pays, c'est en cours d'exécution. 14 pays ont terminé l'analyse de situation. Un pays, c'est en cours. 5 pays ont une stratégie de changement social de comportement. Et dans 2 cas, ce programme est en train d'être mis en place. 12 pays sont en train de mettre en place d'autres activités. S'agissant de l'élaboration des outils au plan national, 7 ont mis en œuvre cette activité et pour 6 autres activités, c'est en cours. Et 5 pays, enfin, un plan suivi évaluation où sont en train de mettre en œuvre des activités en matière de suivi évaluation. Félicitations à tous. Je pense que cela est très encourageant. Depuis que l'on a commencé cette initiative de 2015 à 2019, comme nous l'avons dit, dans beaucoup de nos réunions, vous avez certainement déjà vu cette carte sur les 17 pays impliqués dans cette initiative. 8 ont lancé le pays, l'initiative, et sur ces 8, le Tchad l'a fait au niveau national et 7 au niveau sous-national. Ces lancements sont importants pour mobiliser les partenaires, les sensibiliser. Et cela est tout ce qui est là où l'on a mis les croix, c'est pour lancer l'initiative. Adam va vous donner plus d'informations sur les progrès réalisés au niveau pays. Merci. D'ici, on met l'accent sur la réglementation de l'eau en bouteille. Pourtant, nous savons bien que cela continue d'être un obstacle. Des activités de renforcement du système de santé et des capacités des agents de santé sont aussi menées ou sont en cours dans 11 pays. Le nombre de pays ayant utilisé ou adapté les outils régionaux, ayant sécurisé du financement, tout en mettant vraiment l'accent sur le mécanisme qui est le plus sûr et le plus durable, qui est le financement domestique. Le nombre de pays ayant développé une stratégie CSC ou disposant d'un plan de suivi et évaluation ou encore ayant mené un plaidoyer pour la protection de la maternité est relativement faible, variant entre 4 et 8. Enfin, il est à noter qu'aucun pays n'a mis entièrement en œuvre le plan d'action qui avait été développé en novembre 2019 à l'issue du dialogue avec les parlementaires. Vous vous souvenez bien aussi à Marge, événement à Marge duquel aussi il a été lancé officiellement l'initiative régionale plus forte avec les matériaux uniquement. En termes de leçons apprises, donc nous avons eu des partages de quelques pays, notamment du Tchad, où le fait d'inclure les grands-mères comme relais communautaires pour conduire les séances de sensibilisation à l'endroit de leur père, qui a un réel poids
le choix du mode d'alimentation de l'enfant. Et cela a vraiment permis aussi d'amorcer le changement de la pratique et la pratique de l'allaitement et plus particulièrement le don de l'eau. En RDC, nous notons aussi que l'élaboration et la signature de la déclaration conjointe pour la promotion, la protection et le soutien de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans le contexte de COVID-19 a permis à toutes les parties prenantes d'accompagner l'allaitement maternel et cela a aussi permis de donner les orientations aux femmes de continuer à allaiter leur nourrisson malgré le contexte COVID. En Guinée-Bissau, grâce à l'intégration de certaines actions de la campagne et de la célébration de la Semaine nationale et du mois de l'allaitement, l'équipe a réussi à mener des activités de sensibilisation et de soutien à l'allaitement dans une situation de manque de financement et de ressources humaines. Cela a été aussi relevé au Nigeria, où le fait d'utiliser ou de mettre vraiment à profit la semaine mondiale de l'allaitement a permis vraiment de renforcer les messages et aussi les directives de l'initiative de l'initiative Hôpitaux Amis des Bébés au Nigeria intègrent une composante sur l'allaitement sur les lieux de travail. Au Ghana, les principales leçons apprises ont été notamment l'importance de comprendre le boulot et de faire vraiment de l'alimentation et des soins à apporter aux jeunes enfants une affaire pour tout le monde, pour tous les acteurs, et aussi vraiment le travail inclusif et collaboratif. Nous vous remercions encore pour votre engagement et vraiment d'avoir pris le temps de remplir le questionnaire. Cependant, nous avons noté beaucoup de cases blanches dans les réponses. Mais comme l'a souligné Nathalie au début, nous espérons que le questionnaire sera plus facile à remplir pour vous prochainement. Et nous sommes également disponibles pour vous apporter toutes les orientations nécessaires. Pour ce premier round, nous allons regarder attentivement les différentes informations que vous avez partagées et nous vous ferons un feedback sur peu. Cela nous permettra aussi de mieux comprendre vos besoins en appui technique. Et ensemble, nous pourrons planifier les appels bilatéraux. Merci à vous. Merci beaucoup à Nathalie et Adam pour cette présentation assez exhaustive. Je suis particulièrement impressionné de voir comment les pays sont en train de faire des progrès en plus de ce qui est fait au niveau régional. Comme je le disais tout à l'heure, le plus important est ce qui se passe au niveau pays et c'est très réconfortant de voir qu'il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'avant d'aller dans les détails et de partager en particulier l'expérience d'un pays, nous allons marquer une pause de 10 minutes pour prendre des questions et des commentaires de la part des participants qui en auraient. Donc, on ouvre une session de 10 minutes de questions-réponses. Vous pouvez lever la main vous pouvez adresser vos questions dans le chat box. Et préciser à qui votre question est adressée. OK. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir en direct? C'est aussi possible. Donc, levez la main et vous prenez la parole. Siméon? Oui. Oui, il y a deux personnes qui ont levé la main. Il y a Philo Irène. Donc, voilà la main levée. Et également Dr. Mathy. Du Sénégal. Et troisièmement, il y a une troisième main levée aussi de Roland oui. Combacéré. OK, donc on va commencer par Philomena Irène du Nigeria.
Philomena, over to you. Okay. Philomena at a mute. Philomena, can you unmute yourself and ask your question? All right, so let me move to Martin. Mati Ndiaye. Oui. Bonjour, est-ce que moi aussi mon micro est ouvert? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Donc bonjour à tout le monde et félicitations à Alive and Thrive et à l'ensemble des présentateurs, mais également, comme l'a dit aussi Alive and Thrive, félicitations au pays. Donc, qui travaille pour la même cause, la santé de l'enfant et particulièrement une bonne alimentation pour l'enfant. Je vais juste revenir sur les plans d'action. Dans les plans d'action élaborés par les pays, il y a beaucoup d'activités. C'est vrai que au niveau des différents pays, il y a beaucoup de programmes qui se mènent en même temps, ce qui va créer les conflits d'agenda. Mais moi, je voudrais juste demander à Alive and Thrive si par rapport aux procédures de financement, est-ce qu'il pourrait y avoir un allègement pour que lorsque la requête arrive au niveau de Alive and Thrive, au niveau du pays, que le décaissement par rapport aux fonds pour la mise en œuvre ne dure pas aussi longtemps de, 3 semaines à 4 mois pour que l'activité puisse être mise en œuvre. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été planifiées, beaucoup d'activités. Il y a eu un engagement au niveau du pays, particulièrement au niveau du Sénégal. Donc, entre la division, le ministère de la Santé, le Conseil national pour le développement de la mission et toutes les parties prenantes, tous les partenaires pour vraiment mettre en œuvre les activités. Maintenant, parfois, quand il y a ce retard-là par rapport au décaissement, après, il y a des activités qui viennent s'y ajouter, d'autres activités qui viennent s'y ajouter, et après, finalement, on a un conflit d'agenda qui fait que même lorsque l'argent maintenant est disponible, il y a encore des activités qui ont été programmées. Donc, s'il y a vraiment un allègement par rapport au décaissement des fonds, je pense que ça nous aiderait davantage à mieux mettre en œuvre notre plan d'action. Merci. Merci beaucoup. On passe la parole à Jacinta. Jacinta, could you please... Sorry, okay. I don't think I raised my hand. Oh. Yeah. We could see your hand raised here, so we may have a technical issue. Is that the same for Philomena? Okay. We have a question from Asha. Yeah, I don't think I raised my hands. Wow, we are facing a technical issue here. All right, so est-ce que donc on peut prendre la réponse à la question sur le financement Alive and Thrive? Nathalie ou... Oui, pardon, Siméon. Oui, je vais peut-être... Merci beaucoup, Siméon. Je vais peut-être passer la parole à Aïta, si elle peut répondre concernant la question donc, de Dr. Mati adressée à Live and Thrive. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Siméon. Et merci à Mati pour cette question. Comme vous le savez, comme nous le savons tous, donc chaque organisation a ses procédures. Et pour ce qui concerne Alive and Thrive, la libération des fonds suit tout un processus
Et donc, une procédure qui demande au moins, au minimum, 3 semaines pour que les termes de référence soient approuvés, validés et approuvés. Maintenant, l'étape suivante, l'approbation des termes de référence et le transfert des fonds, qui peut prendre 1 semaine. Donc, d'où cette estimation de délai d'un mois pour vraiment entrer en possession ou avoir les fonds à votre disposition et mener les activités. Et ce que je suggère pour éviter tout retard, c'est prenant en compte ce délai incompressible et de travailler sur les termes de référence le plus tôt possible en essayant de respecter ce délai-là. Voilà les éléments de réponse que je peux apporter à cette question de Dr. Mati. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vérifie encore s'il y a d'autres questions. Peut-être dans le chat box, dans le Q&A, il n'y a rien. Béchira, ça m'est levé. Docteur Béchi? Non. Allô, je vois dans la... Oui? Oui, excuse-moi, j'ai transféré une question qui était dans la chat box. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une question qui nous vient de la Sierra Leone qui demande « What challenges have Exactement. You found ?» in this program and what were the effective solutions? Je pense que c'est une question qui peut être adressée, c'est pas spécifique, mais je demande à Nathalie et Anne-Sophie de voir comment elles peuvent collectivement adresser cette question. Merci beaucoup, Siméon, et merci pour cette question qui est très importante. Surtout pour les pays qui veulent se lancer dans l'initiative. Je pense que la présentation du Burkina Faso qui va venir va être très instructive pour les pays qui veulent en savoir plus sur le comment et du coup avoir aussi des détails pratiques. Ça va être extrêmement intéressant, je pense, de suivre la présentation du Burkina Faso et peut-être... du coup, rentrer un petit peu plus dans les détails de ce genre de questions suite à la présentation du Burkina, tout en sachant que, bien évidemment, comme ça a été dit dans la présentation, on est aussi disponible pour pouvoir avoir des discussions bilatérales un petit peu plus adaptées au contexte de chaque pays. Merci. Est-ce que Nathalie aurait quelque chose à ajouter? Merci beaucoup, Siméon, et merci, Anne-Sophie. Au fait, ma réponse, elle est tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Anne-Sophie, dans le sens où nous allons pouvoir justement avoir une conversation avec l'équipe du Burkina Faso. Et donc, je pense que c'est une question qu'on pourrait également poser à l'équipe du Burkina Faso lors de la prochaine partie de cette réunion. Et autrement, nous restons bien sûr disponibles pour répondre à d'autres questions qui viennent. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je repars encore sur la liste des participants, mais là, j'ai comme l'impression que la technologie nous joue des tours parce que des gens lèvent la main et ça paraît sur l'écran comme une main levée. En réalité, ça ne l'est pas. Est-ce que Israël... Là, Mamad Béchir. Béchir a une question? Oui, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. Merci beaucoup. Donc, ma question est à tout le monde concernant le code de substitut du lait maternel. On vient de l'élaborer et adopter au niveau du Parlement. Et pour son application, comment vous pouvez nous appuyer pour vraiment que ça soit effectif? On a un certain nombre de entreprises qui nous harcèlent déjà et c'est très difficile de faire face à ces entreprises-là.
OK, ça c'est une question extrêmement concrète et très directe. Je crois qu'une partie de cette question va trouver une réponse au webinaire de demain après-midi, mais d'ores et déjà, je demande à Anne-Sophie si elle peut avoir quelques éléments de réponse. Merci beaucoup et merci pour cette question très important sur le code et qui vient à un moment vraiment opportun, étant donné qu'on est en train de célébrer le 40e anniversaire, comme le disait Siméon en introduction. On félicite déjà votre pays pour toutes ces avancées dans ce domaine sur le code et aussi sur les questions d'allaitement de façon générale. Pour ce qui est du code, comme vous le savez, on a la chance d'avoir au niveau de l'UNICEF et aussi en appui à l'ensemble de l'équipe régionale, Hélène Sokol, qui est une spécialiste de la question et qui est entièrement disponible pour pouvoir accompagner, en plus de tout le travail qui est fait au niveau régional, pour pouvoir accompagner de façon très spécifique les pays dans leur travail sur les questions du code. Et comme vous l'avez dit, le travail va au-delà effectivement de l'adoption des textes pour s'assurer effectivement de leur mise en œuvre, donc tout ce qui est monitoring, enforcement, et ce sera aussi l'objet du webinaire de demain. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse s'assurer que vous bénéficiez d'un appui technique dédié pour pouvoir avancer sur ces questions. Merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, merci Béchir. Israël? Ou c'est une main levée fictive? Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit. OK, merci beaucoup, merci pour cette brillante présentation et nous sommes vraiment satisfaits. Alors, il y a une petite question parlant de la persistance des pesanteurs culturelles. Vous savez, surtout dans les zones sahéliennes, voilà, les gens sont toujours c'est difficile d'appliquer, voilà, ces normes-là, surtout dans les zones sahéliennes où on apporte des raisons, surtout voilà, la forte chaleur, hein, des normes culturelles, surtout les pratiques traditionnelles liées aux décoctions et autres qui ont de l'efficacité, surtout chez les enfants. Alors, malgré même l'importance de l'allaitement maternel, qu'on essaye même de promouvoir tout cela par les différents canaux, les gens sont toujours restés ostensionnels, surtout à la pratique de l'allaitement maternel. Alors, quels seront les guidelines que vous devez encore nous renforcer davantage afin qu'on puisse aider surtout ces populations à pouvoir appliquer, sinon pratiquer de façon adéquate à ce projet? Merci à vous. Merci beaucoup. Une question que je résumerai en OK, comment on peut vous aider à lever ces défis liés aux croyances et aux idées reçues, en particulier dans la région du Sahel. Anne-Sophie, Nathalie, Adam, à vous. Merci, Siméon. Je propose de prendre cette question et je vois que Juan a aussi levé la main, donc je vais être assez brève dans ma réponse pour donner à Juan l'occasion de parler. Je pense que c'est une excellente question et c'est en effet un gros défi par rapport à la persistance des pesanteurs culturels, comme vous dites, particulièrement dans la région sahélienne où il y a la croyance que l'eau, c'est la vie, pour l'être humain, pour les animaux, quel que soit l'âge. Et donc, ça applique aussi, bien sûr, aux nourrissons de moins de 6 mois. Donc, en effet, l'initiative régionale porte là-dessus et essaie d'apporter des interventions, des solutions basées sur une approche de changement social et de comportement.
Et une des façons d'agir, c'est d'agir vraiment à travers multiples canaux et multiples activités qui touchent non seulement les familles directement, c'est-à-dire les femmes qui allaitent ou les femmes enceintes, mais aussi leurs familles, leur communauté et la société en général, tout en apportant aussi des programmes et des politiques qui viennent renforcer l'importance de l'allaitement exclusif. Je pense que c'est une intéressante transition par rapport à la conversation que nous allons avoir avec le Burkina Faso, où justement cette pesanteur ou cette pratique, disons, de donner de l'eau aux nourrissons est également très, très présente. Et là, j'espère qu'à travers cette conversation que nous allons avoir avec Mme Estelle Bambara, ça vous apportera des éléments de réponse. Je vais m'arrêter là et peut-être que Juan, j'ai vu Juan que tu avais levé la main, si tu veux apporter des éléments de réponse en complément. Merci Nathalie. Je pense que en fait tu as tout dit, hein, mais moi je dirais en tout cas que si on revient sur les outils de l'initiative, en plus de messages qui sont déjà prédéfinis, en plus des outils de communication, disons, qui sont déjà prêts pour votre adaptation, il y a aussi des outils qui sont plus liés au processus pour définir les interventions ou planifier d'une façon stratégique les interventions de communication pour les changements sociaux et de comportement. Et je pense qu'en suivant les étapes, en engageant les sources de connaissances nécessaires, et je pense surtout à l'engagement des chercheurs socio-anthropologiques, l'utilisation des sciences sociales, mais surtout aussi engageant même la communauté, et c'est comme ça qu'on va trouver les solutions. Donc, en fait, je pense que tout le processus qu'on propose, et c'est aussi un point fort sur le programme d'apprentissage qu'on est en train de développer dans le cadre d'initiative, ce qui est exactement les stratégies, les approches doivent se faire d'un côté sur la base des évidences, d'autre côté sur une base de participation et d'engagement, et une approche de dialogue avec la communauté. Il y a tout un travail d'identification des personnes qui peuvent influer, qui ont une voix crédible, les sources d'informations. Donc, il y a des éléments à gérer, mais surtout, le grand message est de sortir de la promotion des messages d'informations, de dire simplement des messages qui disent que l'allaitement est important, donner de l'eau est mauvaise. Donc, vraiment, entrer dans une complexité, pas seulement dans l'adaptation des messages, mais aussi entrer vraiment dans les dialogues avec les communautés, les familles, les parents. Et je voudrais vous dire en fait que je suis en train de voir un brouillon d'un rapport d'une enquête. D'une étude sur les déterminants des comportements par rapport à différentes pratiques, y compris des pratiques nutritionnelles. Et je dirais que les résultats plus importants qui ressortent de cette étude, c'est contenu, non? La liaison avec les croyances culturelles, traditionnelles. Mais ce qui ressort plus fortement, est ce que les communautés nous disent: vous nous traitez comme si on est ignorant, comme si on ne sait pas quoi faire, comme si on n'a pas notre raison légitime, vous ne nous écoutez pas. Et vraiment, il y a beaucoup de messages, je pense qu'on aura l'occasion d'en partager une fois que le rapport sera validé, mais il y a beaucoup de messages très forts par rapport à la façon dont on fait la promotion des changements de comportement, d'adoption des pratiques, et qui pense qu'il faut tenir en compte. Donc, ça nous interpelle à niveau de l'utilisation de la recherche, mais aussi des approches qui sont beaucoup plus ancrées dans l'empathie, dans l'écoute, dans la compréhension de la réalité et dans la recherche des solutions conjointes. Voilà. À vous la parole. Merci beaucoup, collègues. Je sais que les débats sont très intéressants, mais nous avons encore quelques points sur notre agenda d'aujourd'hui. Je propose donc qu'on puisse passer à la prochaine thématique, qui est le partage d'expériences du Burkina Faso. Et cette session va être modérée et facilitée par Mathilda de l'OMS, avec l'équipe pays sous le leadership de Madame Bambara. Mathilda,
à vous. Alors, ce n'est pas Mathilda, c'est Nathalie. Bonjour. Oh, pardon. Antoinette. Nathalie, vas-y. Non, désolée. Bonjour, je suis Antoinette Balian de l'OMS. Je m'invite dans la danse parce que Mathilda est malade. Donc, je prends place en tant que point focal nutrition pour l'OMS basé à Libreville, l'équipe interpays. Alors, je me réjouis donc pour notre participation à cette réunion et je voudrais donc introduire Madame Estelle Bambara. Estelle Bambara qui est la directrice de la nutrition du Burkina Faso. Et c'est une équipe qui est vraiment très expérimentée et avec laquelle tous les partenaires on a eu à travailler. Alors, Madame Estelle Bambara va nous parler donc de cette expérience du Burkina Faso. Madame Estelle, vous avez la parole. Merci bien, Antoinette. Et merci également à l'équipe des organisateurs de cette table ronde pour l'occasion qui nous a été offerte pour partager notre expérience qui a été possible grâce au partenariat entre le ministère de la Santé du Burkina Faso et Live and Thrive et UNICEF. En effet, cette équipe tripartite a évolué main dans la main tout au long du processus de cette initiative, et depuis la conception, la préparation, la mise en œuvre et le suivi de cette initiative, en utilisant vraiment tous les moyens, et notamment l'adaptation au contexte COVID où pour les réunions de suivi, on se retrouvait à faire les réunions sur Zoom. Et l'initiative vraiment est à remercier. Et ce partenariat a permis également de galvaniser les autres partenaires qui interviennent dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant autour de cette initiative. Il faut également noter que cette initiative accompagne la mise en œuvre des activités du plan de passage à l'échelle des pratiques optimales d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui va jusqu'en 2025. Donc, pour ça, on vous remercie pour cette occasion qui va nous permettre de partager notre expérience. Merci. Merci, merci beaucoup. Antoinette, si tu permets, j'ai quelques petites questions, sans que c'est Nathalie Liquité qui parle. À poser à Madame Estelle Bambara. Et j'aimerais... oui, à toi, Nathalie. Merci beaucoup, Antoinette. Donc, juste pour, comme Madame Bambara vient de dire, j'aimerais aussi présenter deux autres personnes qui sont avec elle, Maurice Zafi Manjaka, le directeur de projet d'Alive and Thrive Burkina Faso, et médiatrice Kiberanté, la responsable du programme nutrition de l'UNICEF Burkina Faso, qui sont là et qui ont appuyé donc le ministère de la Santé à travers l'ADN dans la mise en œuvre de Plus fort avec le lait maternel uniquement au Burkina Faso. Et donc là, juste pour l'audience, j'aimerais bien vous inviter à poser des questions au fur et à mesure que vous en avez, parce que nous aimerons en prendre après la présentation de Madame Bambara. Et posez vos questions, s'il vous plaît, dans l'espace Q&A. Et nous allons pouvoir justement les traiter par la suite. Donc, pour commencer, Madame Bambara, ma première question concerne les financements de la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement au Burkina Faso » et la mobilisation des ressources gouvernementales et externes. J'ai appris que le département de la nutrition a réussi à mobiliser environ 400 millions de francs CFA, donc c'est estimé à 739 000 dollars américains, pour la mise en œuvre nationale de « Plus fort avec le lait maternel uniquement » grâce à un financement gouvernemental provenant de la Banque mondiale. Et mes félicitations, ceci est vraiment une grande réussite.
Merci bien, Nathalie. En effet, nous avons pu mobiliser deux types de financement. Il y a d'abord le financement que nous avons obtenu de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement du système de santé au niveau du Burkina Faso à hauteur d'environ, comme tu l'as dit, 400 millions de francs CFA. Et ça, c'est pour le moment parce que ça peut être revu à la hausse. Ceci a permis de combler les gaps dans notre plan d'action budgétisé que nous avons élaboré dans le cadre de cette initiative. Et le financement que nous avons obtenu avec ce projet PRSS nous a permis de mettre en œuvre le volet communication de masse plus fort avec le lait maternel uniquement. Il y a également la reproduction des outils de communication, notamment les quatre conseils au profit des prestataires de santé et des agents de santé à base communautaire. Il y a le renforcement de capacités à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional, au niveau district, au niveau formation sanitaire et également au niveau communautaire. Et nous avons reçu ces fonds pour mettre en œuvre ces activités. Et là, le deuxième financement vient des partenaires qui accompagnent le gouvernement, notamment ELA 23 et UNICEF. Avec les financements de ELA 23 et UNICEF, nous avons pu mettre en œuvre un certain nombre d'activités avant qu'on ait ce gap que nous avons reçu de la Banque mondiale. Donc, il nous a permis de réaliser un certain nombre d'activités, notamment les ateliers de conception, de validation, telles que la mobilisation des partenaires autour de la campagne. Il y a également les formations que nous avons faites à l'endroit des sages-femmes, des maïeuticiens, des journalistes et également la mobilisation des acteurs au niveau régional, voilà, qui est également là. L'organisation d'une conférence de presse, donc les images que vous voyez sur l'écran, donc c'est le lancement au niveau national et également la conférence de presse que le ministre de la Santé en son temps a organisée avec les médias pour donner l'information sur l'initiative et également d'organisation des communications au niveau des masses médias que vous voyez. La reproduction des outils de gadget que nous avons on pu faire avec le financement de UNICEF et de ELA 23. Et aussi, avec le financement de ELA 23 et UNICEF, nous avons pu réaliser des mini-séries dénommées Myriam, voilà, que nous partageons au niveau des réseaux sociaux, au niveau également des différentes régions du Burkina Faso. Il faut noter que nous avons 13 régions sanitaires au niveau de notre pays. Donc, ça a vraiment pu galvaniser les équipes sur le terrain à travers le regroupement de ces trois partenaires, ministère de la Santé, l'UNICEF et puis ELA 23. Merci, Nathalie. Merci beaucoup, Estelle. Est-ce que vous pouvez décrire comment vous avez pu mobiliser les fonds gouvernementaux ainsi que les défis que vous avez rencontrés dans le processus? Merci bien, Nathalie. Il faut dire que pour ce plaidoyer, nous avons élaboré une stratégie globale de l'initiative et également un plan d'action budgétisé avec les différentes sources de financement. Donc, ce plan, nous avons précisé les contributions des trois partenaires clés ainsi que les gaps de financement. Et la campagne a été présentée par l'équipe tripartite, le ministère de la Santé à travers la direction de la nutrition, il y a l'UNICEF et ELA 23, au directeur général de la santé publique qui était en son temps le coordinateur du projet de renforcement du système de santé PRSS et également à l'ensemble de son équipe qui était là sous forme d'une note conceptuelle simple et le plan d'action budgétisé. Donc, ceci nous a permis de souligner les gaps et donc il y avait besoin d'un financement. Et en termes de difficultés qu'on peut noter par rapport à ce plaidoyer, c'est beaucoup plus les procédures de décaissement liées de la banque qui sont un peu compliquées. Donc, ça prend du temps. Donc, il y a un circuit qu'il faut suivre. Et aussi, pour faire face à ces difficultés-là, nous avons mis en place des réunions
de suivi régulier avec l'unité de gestion et la banque, ce qui nous a permis quand même de faire le suivi pour que ça soit un peu débloqué à temps. Et ce résultat également en termes de financement était possible grâce au travail en équipe. Voilà, comme je l'ai dit, l'équipe tripartite est là, les trois, l'UNICEF et puis le ministère de la Santé. Et ce n'est pas seulement que l'engagement technique, il y a également l'engagement financier. Donc, il faut vraiment une collaboration. Donc, c'est grâce à cette collaboration que nous sommes arrivés à vous. Merci, Nathalie. Merci beaucoup, Estelle, et félicitations encore pour cette grande réussite. J'ai une question maintenant qui concerne la mobilisation des acteurs régionaux. Et j'ai pris note que dans Burkina Faso, vous avez fait des lancements au niveau des régions du Burkina Faso. Donc là, ma question, c'est, vous avez donc également mobilisé des acteurs régionaux dans la mise en œuvre de Plus Fort avec le lait maternel uniquement. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce que vous avez fait concrètement et quelles sont quelques-unes de vos leçons apprises? Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Il faut dire qu'avant même de lancer la campagne officiellement au niveau national, il y a eu des rencontres de plaidoyer au préalable à l'endroit des autorités régionales qui ont pu, avec ces rencontres de plaidoyer, nous avons pu obtenir l'adhésion de ces acteurs-là au processus de la campagne. Il y a d'abord les lancements au niveau régional. Comme je l'ai dit, on a 15 régions et les dernières régions, on a fait il n'y a pas très longtemps, il y a que 2 semaines de cela. Et cet engagement s'est concrétisé par l'élaboration d'un plan d'action régional avec la participation des parties prenantes au niveau régional. Et chaque région a fait une cérémonie de lancement de la campagne. Et c'est à cette occasion qu'un champion ou une championne a été nommée au niveau régional. Pour revenir sur la nomination de ces champions au niveau régional, et il faut dire que nous avons un champion national pour la nutrition. Et dans son plan de travail, il était prévu la désignation et l'installation de ces champions régionaux. Et ces champions régionaux devait permettre de booster les interventions de nutrition au niveau régional. Et c'est vraiment, ce sont des personnes qui sont influentes dans la communauté, qui sont très engagées dans la promotion de la nutrition en général et en particulier de l'allaitement exclusif. Il y a également, dans cette mobilisation des acteurs au niveau régional, l'engagement des leaders traditionnels et des autorités administratives, notamment les gouverneurs des régions, les chefs coutumiers et les élus locaux, les partenaires également au niveau local qui interviennent dans la région. Et comme leçon apprise par rapport à la mobilisation des acteurs au niveau régional, on peut noter l'importance de la collaboration avec les acteurs. With stakeholders who are... que ce soit du niveau national, au niveau également régional et au niveau district, il y a cette collaboration-là qui a permis quand même de booster la mise en œuvre de cette campagne au niveau régional et leur adhésion. D'abord, entre les trois entités principales, donc comme je l'ai dit, ELAV & Thrive, DN et puis UNICEF, et ensuite les autres partenaires, bien sûr, que ce soit les ONG locales et également les associations aussi au niveau local. Les leaders coutumiers, comme je l'ai dit aussi, il fallait aussi les engager aussi dans cette initiative et également les autres agences des Nations Unies, et notamment le PAM, la FAO, l'OMS et les ONG, les autres ONG aussi qui mettent en œuvre des interventions de nutrition, que ce soit nutrition spécifique ou sensible sur le terrain. Merci Nathalie. Merci beaucoup Estelle pour ces informations vraiment fort intéressantes. Je viens maintenant à la troisième thématique que nous avions identifiée pour cette conversation. Et comme on peut constater, nous tous, le Burkina Faso va mettre en œuvre un ensemble d'interventions au niveau national à travers la campagne Plus Fort avec le lait maternel uniquement,
donc vraiment en vue de pratiquer, de changer la pratique de donner de l'eau au nourrisson à la naissance et tout au long des 6 premiers mois de vie. Notre collègue Israël a parlé des persistances culturelles, donc qui sont difficiles à changer. Donc maintenant, ma troisième question pour vous, c'est comment allez-vous suivre et évaluer les résultats de ces interventions? À vous, Esther. Merci bien, Nathalie. Et il faut dire d'abord les réunions tripartites. Ça, d'abord, il faut les maintenir. Il y a également l'utilisation des systèmes existants pour une question de pérennisation, voilà, de suivi. On a utilisé le système national d'information sanitaire et pour collecter les informations sur la promotion de l'ANGE au niveau des formations sanitaires et au niveau communautaire. Donc, également, l'utilisation de l'enquête, on a introduit également quelques questions sur, au niveau de l'enquête nutritionnelle nationale que nous avons réalisée en 2020 et en utilisant ces questions que vous voyez là-bas, donc notamment les messages qui ont été entendus sur l'allaitement, voilà. Et quelles sont ces informations que les mamans ont entendues? Et également, où est-ce qu'ils ont eu ces informations? Quel type de médias, voilà, qui a fourni ces informations-là? Et également, nous comptons poursuivre la collecte de ces informations-là à l'enquête nationale 2021. Il y a également le fait que nous avons mis en place l'évaluation de la phase pilote du renforcement de capacité, parce que le renforcement de capacité, c'était prévu pour 13 districts pilotes. Donc, un district par région, comme on a 13 régions, on a un district pilote par région. Donc, on a prévu l'évaluation de cette phase pilote et dans l'objectif d'aller à l'échelle. Donc, comme on l'a dit, on a utilisé le système existant pour une question de pérennité. Merci, Nathalie. Merci, Estelle. Donc, peut-être avant de passer aux questions, j'aimerais juste vous poser une dernière question. C'est par rapport aux prochaines étapes, parce que nous constatons que vous avez fait beaucoup, mais qu'il reste encore des choses à faire. Et donc, ma question, c'est quelles activités allez-vous réaliser dans les mois qui restent en 2021 et qu'est-ce qui est prévu pour 2022? Merci beaucoup, Nathalie. Il faut dire que pour cette initiative, comme je l'ai dit, ça accompagne la mise en œuvre de notre plan de passage à l'échelle qui va jusqu'en 2025. Et avec le financement du PRSS, il y a le renforcement des capacités que nous avons commencé, on n'a pas encore terminé. Donc, on va poursuivre le renforcement des capacités de 780 agents de santé et 3120 agents de santé à base communautaire sur la communication interpersonnelle et l'allaitement sans eau. Donc, l'utilisation de ces 4 conseils que vous voyez, voilà, que nous allons utiliser au niveau des formations sanitaires et également au niveau communautaire. Il y a la distribution de blouses aux sages-femmes et maïeuticiens lors de l'orientation dans les districts sanitaires pilotes que nous avons prévus. Mais bien sûr, les blouses qui portent les logos de cette initiative plus fort avec le lait maternel. Il y a également le fait qu'on doit poursuivre les communications via les masses médias qui ont démarré depuis le lancement au niveau national à travers les affichages dans les grands centres urbains et les rues qui sont vraiment pratiquées par les citadins. Voilà, dans les 13 régions, nous avons des affichages dans ces grandes villes-là. Et toujours poursuivre, comme je l'ai dit, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan de passage à l'échelle des pratiques optimale d'ANGE. Donc, on va poursuivre la mise en œuvre des GASPA dans les groupes d'apprentissage et de soutien des pratiques optimales d'ANGE sur le terrain. Donc, on va poursuivre ces communications et également les renforcements de capacité des agents de santé. Donc, ce sont à peu près ces activités. Comme je l'ai dit, c'est en continu. Voilà. Et jusqu'en 2025, à la mise en œuvre de notre
plan de passage à l'échelle des pratiques optimales d'âge. Le renforcement également de la qualité du conseil aux femmes enceintes et accompagnant dans les formations sanitaires et également l'évaluation qu'on a prévue, évaluation continue de l'activité pour essayer de voir là où il y a des gaps et puis essayer de réorienter nos activités sur le terrain et bien sûr documenter cette initiative-là. Merci à vous. Merci beaucoup Estelle. Donc, on voit en effet qu'il y a beaucoup d'activités en vue et que je note juste Estelle que si vous utilisez, vous allez utiliser ces illustrations et ces cartes conseils pour aider à guider la conversation, une des activités vraiment importantes, c'est cette mise à échelle du renforcement de la qualité des conseils aux femmes et aux accompagnants, aux familles, à travers les formations sanitaires. Et comme je connais un peu l'activité du Burkina Faso, je peux ajouter aussi qu'il y a un grand élément qu'a présenté Estelle au niveau communautaire, particulièrement à travers des agents de santé à base communautaire. Donc, merci beaucoup, Estelle, encore. Alors, ce que nous avions prévu pour cette partie, Siméon et Antoinette, et à vous tous, c'était de faire un peu des questions, un Q&A avec donc Madame l'ADN, où, comme nous sommes ensemble, c'est pour donner à tous l'opportunité de poser quelques questions. Et avant de passer à la prochaine étape de cette réunion. Donc, je propose, si avec la permission de tous, de continuer dans mon rôle de modératrice de cette partie-là de la réunion. Siméon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous souhaitez prendre le relais? Non, pas de souci. Continuons avec la modération de la partie questions-réponses. Je vérifiais s'il y avait des questions dans le chat box. À mon niveau, je n'en vois pas. Donc, peut-être que les gens veulent intervenir en direct. Mais à toi de poursuivre. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Siméon. Alors, je ne vois pas de questions dans le Q&A. Je vois que Aïta, merci beaucoup. Il n'y a pas de questions enregistrées. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions que certains d'entre vous souhaitent partager. Ou des questions. Ah, voilà, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Aïta, je vais te demander de partager une question de la section Q&A, si tu veux bien. Merci beaucoup, Nat. Merci beaucoup également à Estelle et félicitations à toute l'équipe du Burkina Faso. Ce travail qui est vraiment en train d'être abattu. Donc, juste une question de Abdallahi. Donc, il demande comment vous utilisez le CINIS pour questionner les populations, ce qui est une bonne chose. Comment vous utilisez le CINIS, Estelle, dans le cadre de cette initiative-là pour questionner les populations? Voilà à vous. OK, merci bien, Aïta. Et il faut dire que pour les indicateurs qui sont inscrits dans le CINIS, ce sont des informations que nous collectons au niveau communautaire, et notamment le nombre de GASPAR, le nombre de femmes qui participent au GASPAR, et également au niveau formation sanitaire, les informations qui sont données sur la nutrition, voilà, notamment les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Voilà, ce sont ces questions. Maintenant, pour ce qui est des questions adressées à la population, ce sont les questions que nous avons intégrées à l'enquête nationale sur la nutrition. Merci à vous. Merci beaucoup, Estelle. J'espère que cela a répondu à la question sur le CINIS. Aïta, est-ce qu'il y a une autre question à partager avec Madame Lamy? Oui, Nat. Merci beaucoup. Il y a une autre question en anglais. Donc, elle vient de Ruth qui demande
Quel est votre plan pour, quel est votre plan pour la durabilité des activités? Où allez-vous trouver le financement? Est-ce que le gouvernement est en train d'investir sur ces activités-là? Merci à vous. Merci bien, Aïta. Pour la question de pérennité, comme je l'ai dit, il y a des activités qui sont réalisables, des petites actions réalisables qui n'ont pas besoin de financement que l'on peut réaliser sur le terrain. Il y a également le fait que pour le suivi et évaluation, comme je l'ai dit, nous avons intégré au système existant pour collecter les informations. Et également pour ce qui est du financement, c'est vrai qu'il y a des actions qui ont besoin d'un financement. On va poursuivre le plaidoyer, étant donné qu'il y a ça des impacts sur la mise en œuvre des interventions sur le terrain, a un impact sur l'état nutritionnel de la population et que ces indicateurs sont suivis au niveau du référentiel du gouvernement. On pense que ce plaidoyer-là pourra se poursuivre avec l'accompagnement des différents acteurs sur le terrain. Merci à vous. Merci beaucoup, Estelle. Je vois qu'il y a d'autres questions qui viennent. Donc, nous pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions immédiatement, mais je vais, avec la permission de tous, peut-être en prendre une autre. Donc, Aïta, je ne sais pas si tu suis, il y a des questions aussi dans le chat. Dans le chat, oui. Et oui. Dans le Q&A, donc je laisse choisir la prochaine question. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question de Jean-Michel du chat. Donc, après les félicitations, il dit, étant donné qu'il y a eu une participation financière de la partie gouvernementale, donc, il voulait savoir si les passages radio-télé ainsi que les micro-programmes ont été payants ou gratuits. Estelle, à vous. Merci, Aïta. Pour les passages télé, c'était gratuit. Parce qu'il y a une convention entre le ministère de la Santé et puis les différents médias. Il y a également une convention entre l'UNICEF et la Ventrive et également les médias. Donc, pour les passages au niveau des médias, ça a été vraiment gratuit. Voilà, ça a été gratuit. Et le plus même, comme ça donne plus de visibilité, voilà. Comme on a impliqué les différents médias dès le départ, donc ils ont été sensibilisés sur la question de l'initiative de la nutrition en général. Donc, il y a une bonne collaboration entre les médias et également cette équipe tripartite qui assure la coordination de la mise en œuvre de cette initiative. Merci à vous. Merci beaucoup, Estelle, et merci beaucoup, Aïta, pour les questions. Donc, là, je vois que les questions continuent à venir. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devions clore la réunion à la demi, donc ce que nous avions prévu, parce que nous avions pensé qu'il y aurait en effet des questions de la part de nos collègues à travers la région, c'est que nous allons noter toutes ces questions et puis vous répondre par écrit. Avec l'équipe, avec Madame Estelle et avec l'équipe du Burkina Faso, pour que vous puissiez vraiment pleinement profiter de cette conversation et de leur expérience qui a beaucoup de valeur. Donc, il me reste vraiment là à remercier Madame l'ADN pour cette conversation très très riche qui a suscité énormément de questions. Et nous sommes, au nom de l'équipe du partenariat régional, vraiment très reconnaissants à l'équipe du Burkina Faso d'avoir accepté de partager son expérience sur les mises en œuvre de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Chers participants, donc nous sommes arrivés à la fin de cet échange sur les leçons apprises du Burkina. Et j'espère que les réponses de Madame l'ADN vous a inspiré pour la mise en œuvre de l'initiative dans votre pays. Et encore une fois, nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Mais comme on a dit, on va les noter, on va les passer en revue et faire notre mieux pour vous répondre par écrit.
Là, avant peut-être de repasser la parole au modérateur et de vous laisser, j'aimerais demander à notre collègue de l'OMS, Antoinette, si tu souhaitais dire quelques mots. Oui, Nathalie, je voulais également me joindre à l'équipe pour remercier donc l'équipe de Burkina Faso pour cette expérience qui, à mon sens, va impacter les autres. Je pense que le Burkina Faso n'a pas également été choisi au hasard parce que, vu l'expérience qui a été présentée, ça pourra donc servir aux autres pays qui également voudraient faire un bon lancement et poursuivre donc des activités pour l'amélioration, la promotion donc de l'allaitement maternel. Donc, je remercie vraiment l'équipe du Burkina Faso et vraiment, on pense qu'ils pourront aussi continuer à appuyer les autres pays pour que vraiment ça ait le mieux. Et encore désolé pour la force nord parce que moi, je me trouve très loin de la capitale de N'Djamena, donc la connexion n'étant pas très bonne, je ne me suis pas portée vraiment pour modérer cette réunion. Merci beaucoup et à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Antoinette. Et merci à l'équipe, à Madame Estelle Bambara et à toute l'équipe du Burkina Faso. La parole est à vous, Simeon. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Antoinette. Merci à félicitations à l'équipe du Burkina Faso pour un dialogue qui était clair, concis, précis et droit au but. C'est assez encourageant de voir des choses comme ça se passer. Nous sommes sous la pression du temps et donc on va passer à la prochaine étape qui est le sondage en ligne qui va être facilité par Nathalie de Alive and Thrive. Et je pense que c'est un exercice qui consiste à recueillir vos opinions et vos avis sur un certain nombre de sujets. Nathalie, à toi. Merci Siméon. Au fait, ça va être modéré, cette partie est modérée par Adam Ao. Donc, je vais passer la parole à Adam, si Adam, tu veux bien. Merci beaucoup, Nathalie. Merci aussi à Siméon. Donc, rapidement, nous souhaitons recueillir les feedbacks de votre part par rapport à la réunion ainsi qu'à le questionnaire qui a été envoyé. Donc, vous voyez affiché sur votre écran des questions. Donc, nous vous invitons à répondre aux questions qui sont en anglais, mais vous aurez la traduction pour ceux qui suivent la traduction en français pour répondre aux différentes questions. La première question, donc, c'est de savoir si le questionnaire, donc l'outil de suivi, vous a permis de fournir des informations assez exhaustives sur la mise en œuvre de l'initiative plus fort avec le lait maternel uniquement dans votre pays. La première option, c'est si c'est vraiment exhaustif. La deuxième option, pas totalement. Quelques questions manquent. Troisième option, non, cela ne capture pas adéquatement la situation dans votre pays. Quatrième option, non, plusieurs questions n'étaient pas du tout utiles. La deuxième question est de savoir si vous êtes d'accord, si l'agenda qui a été proposé vous convient pour faire les appels, les réunions de suivi des progrès au niveau régional. Donc là, nous avons trois options. La première, très satisfaite. Deuxième option, satisfaite. Et troisième option, non satisfaite. Je ne sais pas si Anne-Sophie peut défiler un peu, s'il te plaît. Oui. Alors, normalement, vous voyez sous l'écran, on a 18 de 58, sur un total de 58 participants qui ont répondu, soit 31%. Et là, donc, je peux faire défiler les questions, mais peut-être, Adam, tu veux attendre que
que les participants finissent de voter parce que je vois que ça continue à augmenter. Donc, je crois que les participants sont en train de continuer à voter. On peut attendre encore un petit peu avant de donner les résultats. D'accord. Donc, on donne les résultats, du coup, question par question, c'est ça? Oui. Ben, on va arrêter le pooling et puis on pourra donner les résultats. D'accord. Merci. On a 41% des personnes qui ont voté, donc on peut donner un petit peu de temps encore pour que ce soit plus représentatif peut-être. Voilà, ça continue encore, on est à presque 50%. Je pense que ça, c'est en train de plafonner. Je crois que ça ne bouge plus. Ah, si ça continue un petit peu, on peut encore donner peut-être une minute et puis après on arrête. Donc on invite l'ensemble des participants à voter pour que votre avis puisse être reflété dans la synthèse. Voilà, je crois qu'on va pouvoir, arrêter étant donné qu'on a déjà dépassé le temps. Si vous voulez bien, on est presque à 60% de personnes qui ont répondu. Je pense que c'est déjà représentatif. Et c'est en train de plafonner. Donc, j'arrête le pool et puis je te laisse interpréter les résultats rapidement, Adam. Merci. Ok, merci. Voilà, vous devriez voir les résultats sur votre écran. Oui, c'est bon pour moi. Bon, on n'a pas le taux de participation pour les 5 questions. 60%. Ouais. OK. Donc, pour la première question, en ce qui concerne le questionnaire d'études et suivi, donc on a 22 personnes, soit près de 10% qui ont répondu... Oui, quant à l'exhaustivité de cet outil qui couvre bien justement les différents éléments de mise à jour sur la mise en œuvre de l'initiative dans le pays. On a 19% qui ont estimé que certaines questions étaient manquantes. 6% de participants indiquaient que cela ne capturait pas adéquatement la situation dans le pays. Et enfin, aussi 6% pour certaines questions qui ne sont pas nécessairement utiles. En termes de format ou de l'agenda de la réunion, de progrès régional, donc 47%, à peu près la moitié, sont très satisfaits et 50% satisfaits du format. En ce qui concerne le format utilisé aussi pour les partages d'expérience du Burkina Faso, donc nous avons un peu plus de presque 90% qui ont estimé que c'était un bon format ou un excellent format. La quatrième question, quant à la durée de la réunion, dont 75% estimaient que c'était suffisant et 13% que c'était assez long et 13% également que c'est très court. Enfin, 80% des participants ont estimé que le format de la réunion était déjà bon et qu'il n'y a pas nécessairement lieu de revenir encore là-dessus. Donc, rapidement, je vous remercie encore pour avoir participé à ce sondage. Donc, nous avons bien pris en compte les réponses que vous avez apportées et nous reviendrons aussi vers vous pour des détails si nécessaire. Merci, je repasse la parole à Anne-Sophie ou à Siméon. Merci, ce sera directement Siméon, je pense, à ce stade. Merci à toi, Adam. Ben, merci, Adam, merci Anne-Sophie pour avoir conduit ce sondage aussi rapidement et en ligne. C'est assez innovatif comme méthodologie. Je pense que compte tenu du fait qu'on a largement débordé le temps, on ne va pas trop tarder, on va peut-être aller
au dernier point de cet agenda qui est un peu les conclusions, les recommandations que je vais essayer de ramasser très rapidement. Et je voudrais commencer par dire merci et féliciter vraiment tous les pays pour les participations en préparation aux travaux qui ont permis de préparer cette réunion, notamment les contributions à travers les questions les questionnaires qui vous ont été envoyés. Sans vos réponses, on n'aurait jamais vraiment eu la substance pour meubler cette réunion et on peut voir que vos contributions ont contribué vraiment à rendre cette réunion très active, mais au-delà, à rendre cette initiative, à la prendre au-delà du niveau régional où nous faisons la coordination au niveau pays où les choses se passent réellement et peuvent contribuer à changer les choses en ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif pour les enfants. Nous avons reçu les contributions de beaucoup de pays. C'est très encourageant de voir dans le dashboard qui a été présenté par Alive and Thrive, de voir qu'il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de couleurs orange. Cependant, on peut noter qu'il reste quand même des couleurs blanches et des couleurs indiquant que les activités n'ont pas été initiées. Et en particulier, moi, ce qui a attiré mon attention et peut-être un endroit où on a besoin de faire, les pays ont besoin de faire un effort particulier, c'est que le plan de monitoring et évaluation, les activités de monitoring et évaluation étaient colorées en blanc presque dans la plupart des pays. Or, si nous voulons assurer un bon suivi, évaluation de l'initiative de manière globale, ça va être un peu difficile si les pays eux-mêmes n'ont pas de mécanisme mise en place pour assurer le suivi. Et je voudrais peut-être ici appeler les pays à prêter une attention particulière à cette composante donc de leur programme, le suivi évaluation, parce que nous devons continuer nos efforts pour assurer que chaque enfant puisse bénéficier du meilleur départ possible dans la vie. Et je vous invite aussi à continuer à assurer que le programme est mis en œuvre, parce que la plupart des pays ont rapporté que la mise en œuvre est en cours. Donc, continuez à le faire, mais sur la base d'évidence. Et puis, s'il vous plaît, continuez à documenter. Aujourd'hui, en suivant la présentation du Burkina, j'avais l'impression que je pouvais ouvrir une page et commencer à écrire, tellement c'était systématique, ordonné, vraiment très, très, très organisé. Et je pense que c'est ce type de d'action-là qu'il faut faire, pas seulement les faire, mais aussi les mettre sur papier, les documenter, parce qu'il va falloir plus tard que vous puissiez aussi partager vos expériences. Et je reviendrai là-dessus. Donc, nous vous encourageons aussi à utiliser, à adapter les outils qui ont été développés au niveau de la région et qui sont disponibles sur le site de Stronger Breast Milk Only et dans le Dropbox. Je voudrais remercier aussi l'équipe du Burkina pour le partage d'expérience. Et quand je dis l'équipe du Burkina, c'est l'équipe tripartite que Mme Bambara n'a cessé de rappeler. Tous les acteurs qui ont contribué à faire de cette initiative dans ce pays quelque chose qui nous semble être un modèle qu'on pourrait partager, qui a été partagé, que les autres pays pourraient emprunter en termes de mobilisation de ressources, en termes de mobilisation communautaire, en termes d'engagement à tous les niveaux. Je pense que c'est un bon modèle. Et comme je vous disais, il me semble qu'à cette étape-là déjà, vous avez un début de documentation, il faut que vous peaufiniez ça pour améliorer la documentation. Le Burkina a été invité à présenter son expérience aujourd'hui. Nous aimerions, dans les prochaines réunions trimestrielles, inviter d'autres pays à pouvoir venir partager leurs expériences. Donc, veuillez nous attirer notre attention sur votre volonté à partager vos expériences. Mais comme vous le savez, nous avons seulement 3 réunions trimestrielles, alors que nous avons un total de 22 à 24 pays dans la région. Ça veut dire qu'il ne serait pas réaliste de seulement compter sur cette plateforme des réunions pour partager les expériences. Et donc, nous vous invitons à les documenter. Et quand vous les documentez, on peut trouver des voies alternatives pour partager, comme l'ont fait déjà le Niger, le Tchad,
qui ont déjà fait l'objet de posts sur le site de Stronger with Breast Milk Only. Donc, il y a plusieurs plateformes qui existent, donc n'hésitez pas. Nous comptons aussi avoir vos feedbacks sur les besoins d'appui technique que l'équipe régionale pourrait apporter. On a déjà vu certaines demandes qui sont très expresses de la part notamment du Tchad sur le code. On voudrait aussi apprécier la dynamique inter-pays et régionale et encourager les pays à continuer à donner des feedbacks sur les mécanismes de coordination et de monitoring au niveau régional. Le pôle qu'on vient de faire nous montre que nous donne déjà un aperçu de comment vous perceviez les mécanismes de feedback que nous faisons au niveau régional. Nous allons prendre ces observations, ces résultats-là en compte et éventuellement peaufiner les outils. Mais on est dans un processus itératif. On fait des choses, on les envoie vers vous, on a besoin de vos feedbacks et ça nous permet de les ajuster. Et je pense que c'est comme ça que l'on fait, que l'on progresse ensemble. Et puis, je voudrais enfin confirmer que l'enregistrement de ce webinaire, les présentations, de même que les réponses aux questions qui n'auront pas eu de réponse au cours de la réunion, vont toutes être mises ensemble et repartagées avec vous après l'appel. Nous vous demandons donc de poursuivre les efforts, les actions continues, soulignées, car nous visons un changement profond et durable dans les systèmes d'alimentation des enfants de moins de six mois face à des défis que certains d'entre vous ont relevés ici, d'ordre culturel, d'ordre normatif, d'ordre environnementaux, mais que nous devons collectivement adresser. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver dans la prochaine réunion de suivi dans approximativement 3 mois. Vous avez vu dans la présentation, c'est au mois d'août 2021, pour discuter et poursuivre nos progrès collectifs dans la bonne direction vers l'atteinte des objectifs de l'Assemblée mondiale de la santé pour l'allaitement maternel exclusif en 2025. Merci encore une fois à vous tous pour votre engagement et puis passez une excellente soirée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Siméon. Merci, Anne-Sophie, toute l'équipe, chers participants, et très bonne soirée. Merci et bonne soirée.